Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans votre série originale sur Star Wars Battlefront. On se retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle game, nouveau mode bien évidemment. On est sur la map Hangar Impérial et on est dans le mode cargaison. Alors c'est un petit peu compliqué d'évoluer sur cette map clairement, puisqu'en fait le but est d'aller ramener les espèces d'émetteurs radio de chez l'ennemi. C'est un peu une capture de drapeau. Voilà, les objectifs sont simples, c'est ramener les marchandises ennemies dans votre base, éviter évidemment qu'ils nous prennent celle de notre base pour aller vers la leur. Et l'équipe qui a le plus de radio, voilà, à la fin du compteur, gagne la partie. Et je peux vous dire que sur cette map c'est pas chose facile, on va se faire violer. Mais en même temps je préfère prévenir, je vais jouer vraiment 100% l'objectif, enfin maximum du moins. Hop. Voilà, on l'a récupéré. Bon déjà à mon avis là on est mal, puisque eux aussi ils ont le nôtre hein, donc ça part mal. Vite. Je saute comme un gros demeuré. Oui. Non, je ne suis plus là. Ok. Donc, on a leur, ils ont le nôtre, c'est super. On a vraiment gagné notre temps dans cette histoire. Ok. Alors, il y a un mec là-bas, je rêve. Ouais, il y a un mec. Ça, c'est cadeau. Ils sont pas dans notre secteur. On le voit sur le radar, ils sont pas sur notre base. Donc, ils viennent pas le chercher. Pour l'instant, on maîtrise un peu. Un peu, j'entends. On n'est pas non plus en ouf, mais il y a du monde sur nous. Ok. C'est assez compliqué. Hein. De toute façon, quand on est focalisé objectif, vous savez comment ça se passe. On va essayer de couvrir le copain. Ah vas-y, le mec, il a mis son business là. On a pris la caisse, elle est sécurisée. Bien joué. Par contre, on va avoir des copains là qui vont arriver. Il y a du monde déjà sur la base, regardez. Ok, c'est pas fini. Ça c'est moche, ça c'est moche. Ah putain, j'ai pas réussi à le loquer. Ok, ça c'est pas bon du tout pour nous. Puisque du coup, grâce à ça, à cette petite feinte, ils vont. Les forces impériales ont remis leur caisse en place. Ah, il faudrait vraiment que je. Ah oui, je peux détruire ce truc ou pas là? Putain, c'est un vrai piège à con ça. Ok. Ce truc c'est ignoble. Allez, allez, posément. Voilà. La tourelle anti-infanterie qui était bien posée pour eux. Quand ça se fait qu'il n'y a pas d'action là, c'est what the fuck ce truc là. Oh bah ok. Je me suis pris un gros roquette dans mon cul. J'ai rien saisi. Ok, bah ça snipe de l'extérieur de toute façon. Hop, ça c'est cadeau. Un peu violent mais cadeau quand même. C'est offert par la maison quoi. Prends-le comme tu veux. Je peux pas rentrer là. On va essayer de passer sur le secteur là. On va se la jouer discret, on va se la jouer discret. Le but, pour le coup, c'est pas de. De faire le ouf, c'est de leur piquer leur business. Donc, pour le coup, on va pas se gêner. Ah, du monde sur le secteur là. Les Stormtroopers ont pris une caisse de marchandises. Et il est comme ça. Quoi, je peux pas sauter avec le truc dorsal quand j'ai cette putain de radio? Ah fuck! Ah merde, je suis tellement déçu! Oh la tourelle infanterie, ignoble. Quoi? C'est une blague? Non mais j'y crois pas quoi. Ils sont partout les gars quoi. Ils sont partout!
forces impériales ont récupéré leur caisse. Ok, on va essayer d'aller les chercher. Coller un peu de dégâts, mais je suis verrouillé. Ok, c'est bon, ça s'est bien passé. Je me casse. Ils savent que je vais choper leur truc, hein. Ils le savent, on est accueillis. Allez, verrouille-le, putain de merde. Ah, le gun. Le gun qui déconne. Un peu vénère. Ah, ils sont deux, je suis tout seul. Damn, je peux pas me protéger. Je suis dans la merde, wow. Bon, y a une grenade qui va voler d'ici 2 secondes et demie, mais... Ouais, voilà. Tout seul, c'est compliqué, ils sont trois. C'est pas bon du tout, quoi. C'est pas bon du tout. Ok, assistance pour Copinou, hein. Essayez de se concentrer. Ils nous ont piqué notre truc. Et il fonctionne par l'intérieur. Bon, là, on s'est vu. Ça va se fighter. J'ai eu le temps de me barrer. Ok. Ok. Je pensais que ma vie remonterait entre temps, mais pas du tout. Malheureusement. On se fait encore violer sur cette game, hein. C'est assez affligeant. Faut essayer de rentrer dans le tas. Ok. J'apprécierais avoir un bonus intéressant. Aïe. J'allais justement poser la mienne au même endroit en plus. Je me suis dit, allez, un petit coup de pute comme ça, c'est posé quoi. Attends, en parlant de coup de pute, je crois qu'il y en a un qui se fait plaisir là. Cadeau, je te l'offre celui-là. Ah, les nerfs. Les nerfs quoi. Alors ça, c'est un mec qui a extrêmement joué longtemps. Faut le dire, hein. Ça se voit. Il avait tout du mec qui a acheté les combis ultra chers. On est tombé sur quelqu'un qui touchait un peu quand même, faut dire ce qui est. On va aller chercher notre business. On va même faire mieux que ça les amis, puisqu'on va même piéger le retour. Oh, c'est moche. C'est moche, on est low HP, ils sont tous là. Ils sont là, ça campouse un peu. Ok. On se casse. Les impériaux ont pris la caisse. Tiens. J'ai aucune assistance sur le secteur, faut le savoir. Ok, la mine a fonctionné, qu'on a posée tout à l'heure. Ça c'est plutôt pas mal. Je suis visé. Faut qu'on me couvre. Il faut qu'on me couvre. Les impériaux n'ont plus qu'une caisse à récupérer. Oh là là, c'est pas bon ça. Elle est où ma caisse, putain, non. Et va chier, toi, t'es ouf ou quoi. Le mec, il me donne des coups de crosse comme ça, posément. Ah, ça s'est offert. Ok, on va essayer d'aller en récupérer une autre. Ça me semble compromis, mais on va tenter. On se fait littéralement éclater, hein. C'est vraiment... Ça m'étonne. Ah putain, on a déjà perdu une en plus. On va attendre. On va l'attendre. Elle va revenir, ou du moins on va arriver à la caler. Je vais en prendre une dans la foulée. Ils vont pas s'y attendre, et voilà. Les impériaux ont pris la caisse. Merde. Allez. On va pas tarder à avoir du renfort. Tout le monde de leur côté. Voilà. Et Tony est un connard et la reprend. Tant qu'à faire, on fait ça bien. Oui, ils sont derrière. Ils sont bien derrière. Ok, donc là ils sont retournés à leur truc. Je suis suivi, faut le savoir. Il y a un mec juste derrière moi. Du coup, je me mets par là. Histoire que je me fasse défendre par les collègues. C'est assez intéressant. Faire un petit coup de snipe.
Je suis visé. Oh non, les boules. Allez, traîner à l'extérieur et on pourra récupérer la caisse tranquille. C'est pas bon du tout pour nous, ça. J'ai 10 heures de cartes, on va le foutre ici. J'arrive jamais à le poser, ce truc-là, de toute façon. C'est un peu la merde. Oh, waouh, waouh, waouh. Je suis ton ennemi. Déroule, bordel. Ok. Je vais poser ici. Ah, défaite. On s'est fait défoncer, les amis. Hein. Clairement, là, on a pris bien, bien cher. J'ai beau avoir un bon score, malheureusement. Ça ne suffit pas. Il nous manquait deux joueurs, quoi. C'est pas du juste. Moi, je suis pas d'accord. Ok, bon, on voit le mec qui a dominé toute la game. Il n'y a pas de souci sur son pseudo, sa présence, son image, tout ça. Il n'y a pas de souci. On fait du point, quand même. C'est pas rien. D'accord, ok, ok. Encore, peut-être, bonus de partie. Pas mal. On fait même un peu de crédit. Ouais, c'est correct. Ok, une map que j'aime bien. Hein, je la trouve assez sympathique. On a le temps d'aller faire un petit tour dans nos cartes. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? Détecteur impulsion. Utiliser les faciles d'utilisation un meurtrier. Ouais. D'accord, oui, 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 pourquoi pas. Cependant, il y a des choses à débloquer qui peuvent être assez intéressantes. Garde du corps, entraînement rigoureux. Hein. Ça peut être sympa, ce genre de truc là. Ça peut être très, très, très sympa. On va économiser un peu, mais on peut se l'offrir manifestement. Donc, on va économiser un peu et on va s'y mettre. On est sur la station impériale. L'objectif n'a pas changé, les amis. Une map qui est assez intéressante puisqu'elle elle a tout un couloir en fait, vraiment circulaire en périphérie, vraiment du vaisseau. Et du coup, ça peut prêter à des combats de couloirs assez intéressants. Avec une map assez ouverte en son centre, et c'est là que ça va devenir plutôt cool. Allez, c'est parti, on a 15 minutes. Sauf si on récupère toutes les balises, ou toutes les autres balises sont récupérées par les collègues. Ça peut être intéressant déjà de faire son petit connard. Maintenant. Voilà. Ok. Merde. Pas ok. Pas ok du tout même. Le mec il a bouclier personnel, arbalète. On tombe contre des gars les mecs, c'est un truc de porc quoi, c'est. Bah alors? On veut nous piquer nos caisses les gars là? Merde. J'ai pas buté tout le monde. Ok, donc là on s'est fait chouraver les caisses déjà. Hop, on va essayer de gagner du temps. Voilà. Ça sent pas bon. On va confirmer le shoot. Hop. Oh la loose. Notre caisse de marchandises est en sécurité. Ouais, faudrait peut-être récupérer la nôtre. Hein. On va sentir le contact là. Ça va sentir le contact. Pas mal, on va escorter le collègue. On va même peut-être ralentir les copains. Je sais que je vais crever, c'est le but. Hein. C'est clairement de ralentir les gens qui se rendent compte que la caisse n'est plus là, le temps qu'ils fassent demi-tour. Au moins, c'est un avantage. Merde, je voulais me coller là-dessus. Un peu pris en sandwich. Encore une fois, le mec qui a son arbalète de niveau port, là. Le mec, il a un niveau de port, de toute façon. C'est aussi le risque de bosser un peu sur ce type de jeu un peu plus tard. C'est que les gens, ils ont eu le temps de se kiffer dessus. Et du coup, bah, ils ont du level, quoi. Ils ont du level, c'est tout con, mais... Je présume qu'il y a du monde. Il n'y en a pas, il y en a encore. Ah, on se casse. Je me fais shooter, c'est jamais bon. Essayer de rester dans les feuillages, mais... Ok. C'était un peu ma seule chance. Je vais faire un truc de connard, ça peut les bloquer. Bon, il peut me shooter aussi éventuellement avec, mais...
Mais dans l'idée. Merde, il y a du monde déjà là. Faut dégager le secteur avant de pouvoir s'y insérer. Ok, go. What the fuck? Ah merde! Ah putain, j'étais tellement consciencieux et tout quoi. Ah, je suis un peu vénère. Bonjour. Enchanté, oui. Tu venais pour quoi? Le café? Très bien, je... Bah écoute, je te souhaite une bonne dégustation. Coucou. Ok, bon. Vraiment qu'on arrive à fonctionner en team. Dixit, le mec qui se barre tout seul quoi, quand même, mais bon. Si on y allait tous en team, qu'on serait 4 ou 5 à le couvrir, le gars, ça se passerait plutôt bien. Nous avons perdu la marchandise aux mains. Il y a du peuple là-dedans, mon gars. Il y a de la grenade qui fuse et tout. On se casse. Ok. Alors, où ça va se passer? On va camper un peu puisqu'on peut pas prendre de radio, enfin de marchandises actuellement. Connard, il est aux roquettes en plus, mon gars. Je l'ai pas vu se barrer. En même temps, j'avais zéro chance. Ça campait lamentablement. Au revoir. Ok. Ça, c'est assez... Ok, on va essayer de se casser. Il y a de la grenade, ça tombe. Très bien que notre vie remonte. Et... on essaye de se faire quelqu'un parce que je sais que ça campe là. Ils sont dans le bunker. Je sais que ça campe. Allez, récupère-le, je te couvre. Nous avons fait main basse. Fais vite par caisse. Contre parce que là, on va avoir du monde au cul. Hop. Ok. Allez, viens, viens, viens. On se casse, j'espère qu'il va pouvoir me suivre. Je me suis fait défoncer, j'espère qu'il a pu se barrer. Sinon ça va devenir compliqué. On est toujours à 5-5 hein, les amis, c'est serré. C'est dur. C'est dur, 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 vraiment. Il y a du peuple. Merde, on a perdu le... Oh là là, il y a vraiment beaucoup de monde. Ils sont tous par là. Hein. Pendant ce temps-là, on va tous aller... Merde, pas copain, lui. Allez, on se casse. Je suis verrouillé. Enfin, je suis plus, du coup. La marchandise est tombée aux mains de l'ennemi. On va venir en arme classique et on va progresser. Il est sur moi. Il est sur moi, il est derrière. Ok. Bonjour. Au revoir. La caisse a été oh ramassée. Non, par là. Protégez-la. C'est mieux. Peut-être pas en fait. Ok. Ah mais les mecs sont tous là, c'est what the fuck quoi. Ah putain. Et ouais mais... Oh là là, il y a son père quoi. Il y a son père. On va essayer de récupérer et d'escorter le collègue qui a décidé de passer par en dessous. Ok. J'ai vu du but du monde. Ok, et là à mon avis ils vont arriver. En général ils profitent de nous suivre pour
pour mieux nous reprendre. Voilà, clairement. Et là ils nous attaquent, hein. Clairement ils se font pas du tout désirer. C'est justement ce moment là qu'on va choisir pour percer leur défense. Si on y parvient. On est encore une fois très bien accueilli. On va vite se casser. L'Alliance a ramassé la caisse de marchandises. Attention, c'est pas le relais arrive dans la zone. Ok. Faut vite qu'on se casse de là. Vraiment. La caisse de marchandises est en notre possession. Ramenez-la en sécurité. Et là j'ai pu... de propulseur dorsal, donc c'est très dérangeant. Oh! Oh merde! Besoin. Ah, j'ai posé ma tourelle. J'ai pas eu le temps. Ça s'est joué à pas grand chose. L'animation du pose de la pose de tourelle. C'est pas bon ça, les gars. Ok, je vais essayer de le choper par ailleurs. Hop, dans tous les cas, on est devant. Ah, merde! Ah bah, bien joué, mec. Je te couvre. Notre caisse de marchandises est bien joué. Sécurité. On se casse, par contre, mon gars, parce qu'ils vont arriver, mais en mode vénère. Ils m'ont pas vu. Tant mieux pour moi. Pas bon... fermage de porte, là c'était lamentable. Oh, ils sont combien là-dedans? C'est partout, c'est quoi? C'est ouf. Bon, elles sont aux aguets. Ok. Non. Ça va, ça va, ça va. On s'en sort bien. Toi, je t'ai vu là-haut. C'est mal ce que tu fais. C'est pas propre. L'arbalète laser. Sympathique. Ok, on y va. Toujours 5-5, hein. On arrive à résister un petit peu. On a un piège ici. On va se faire un malin plaisir de dégager. Les soldats rebelles ont la caisse de marchandises. J'arrive pas à verrouiller les gens. J'ai un mec sur moi. Il doit être juste au-dessus. Nous avons la caisse. Ramenez-la à la barre. Allez, ouvre-moi ça. Ah bah cool. Ou pas. Je sais pas. Ouais, bah oui, bien mon gars. Ok, on va escorter Titi là. Ok, là, si je bouge pas le derche, on va avoir quelques problématiques. Allez, go, go, go. Vas-y, enchaîne. Je te couvre ton petit cul. Ah, ça c'est méchant. Le mec il attend au canon blaster, c'est juste zéro chance quoi. Mais bien sûr, mais en même temps pourquoi tu t'es engagé là-dedans? Faut être à moitié con. Non mais sans déconner quoi. Hop, on va voir ce qu'on peut prendre là-dessus. Ok, bon, une espèce de grenade. Ça peut éventuellement dépanner en cas de problème. Ah oui, non t'as raison, c'est pas une bonne route en fait. On va être accueilli d'ici quelques secondes, les amis. Ok. Est-ce que j'ai un verrouillage ou quelque chose? Ok. Il m'a vu au moins. Faut que je profite avant que sa vie remonte. Attention, les relais arrivent dans la zone. Ok. Qu'on récupère ce truc et qu'on s'arrache. Mais genre vénère. J'espère que le canon blaster n'est plus opérationnel. Oh merde, il y a du monde devant là. Ok. On est dans la merde. J'aurais espéré que ça descende plus vite en niveau HP. Je connaissais pas du tout en fait ce que ça valait au niveau de la résistance. Voilà. Et du coup, bah ça a pas pardonné, j'avoue, bon, c'était pas super malin, mais derrière j'avais du monde au radar. Devant j'avais du monde.
Ça me semblait un peu compliqué. Est-ce que j'ai du monde là? Non. Étrangement calme, on va y aller. J'apprécierais verrouiller. J'aime bien, en général ils aiment bien camper. Ok. Derrière, putain. Nous avons la caisse. Ramenez-la à la base. Ah merde, il était vraiment proche. Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus loin et je leur ai snipé, mais ça n'a pas marché. Ok, tac, tac, on enchaîne. Il y a du monde. Ok, pas grand monde manifestement. Vraiment qu'on arrive à gratter une caisse au moins pour taper l'égalisation, parce que sinon on va avoir des vrais problèmes. Ok. Les rebelles ont rapatrié leur caisse. Allez, on enchaîne. Je vais vous cover les gars, il n'y a pas de soucis. Le mec il part par là. Pourquoi pas, après tout il peut passer sous la plateforme de l'hélico. On va essayer de finir un coup de main. Je vais essayer de même de passer devant. On va sniper un peu. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Ah merde, j'ai pas eu le temps de le shooter en plus. Ouais, j'espère qu'on va pouvoir escorter correctement le copinou. Là, il va falloir couvrir notre zone. Mais vraiment plus le choix quoi. On a quelques secondes. Ça serait con de se le faire piquer maintenant. On va poser ça là au cas où. Je doute que ça serve à quelque chose, mais au moins on a un autre bonus. Et je préfère celui-là à titre perso. Oh non! Oh non! Et voilà les gars, on s'est fait chourer le truc à la dernière seconde. Ce qui fait que bah clairement, on s'est fait péter quoi. Ratio de 1, c'est plutôt propre. Donc on va s'arrêter ici, je vous remercie les amis d'avoir maté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu sur ce Star Wars Battlefront. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode sur un autre mode de ce jeu. Et je vous dis à bientôt, ciao.